Ici, Karim Benzema, et Didier Deschamps enterraient enfin l'âge de guerre. Le sélectionneur de l'équipe de France doit annoncer sa prochaine liste ce jeudi 24 août et les proches de Karim Benzema aimeraient entendre le nom de celui qui n'a pas joué pour l'équipe nationale depuis le 8 octobre 2015. Un scénario peu probable, pourtant ils veulent penser que la levée de son contrôle judiciaire dans l'affaire de la sextape jouera en sa faveur. Avec la procédure d'arrêt de la Cour de cassation qui nous donne raison, il n'existe aucun empêchement sur le plan judiciaire pour ne pas le rappeler, explique dans le JDD l'avocat du joueur, maître Sylvain Cormier. Notre position n'a pas changé, je ne vais pas revenir sans cesse sur le sujet Benzema, appelé le sélectionneur, s'énerve de son côté le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, qui renvoie la balle à Didier Deschamps, qui a pour sa part refusé de répondre aux questions du JDD. Il ne mérite pas un tel traitement. On peut ne pas aimer Karim car il est clivant, mais il faut au moins respecter ce qu'il a accompli. En tout cas, il n'a pas fait son deuil des Bleus, prévient son agent Karim Djaziri. Privé du maillot français, c'est pour l'instant au Real Madrid que Karim Benzema fait des étincelles. Selon le JDD, son contrat devrait être prolongé jusqu'en 2021.